But I want to on prend nos Bibles dans Romains chapitre 5. Now take your Bible in the book of Romans 5. 1 à 5. 1, 2, 5. Romains chapitre 5. Romans chapter 5. 1 à 5. 1 to 5. Je lis la parole de Dieu. I read the word of God. Étant donc justifié par la foi, then being justified by the faith, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Through whom we also have access this faith by this grace. Dans laquelle nous demeurons fermes. And we will stand. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. And we rejoice into the glory of God. Bien plus. Furthermore. Nous nous glorifions même des afflictions. We glorify in tribulation, sachant que l'affliction produit la persévérance, knowing that tribulation produces perseverance, et la persévérance la victoire dans l'épreuve, and perseverance the victory in the hope, et cette victoire l'espérance, and this victory the hope. Or, l'espérance ne trompe point, no hope does not disappoint, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, for the love of God has been poured out in our heart by the Holy Spirit, qui a été donné. Which has been given. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Now put your hand together for the word of God. Donc, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, so therefore, when somebody has the Holy Spirit, le Saint-Esprit produit l'amour dans son cœur. The Holy Spirit produces the love in his heart. Alléluia. Amen. Mais le problème que les chrétiens ont, but the problem the Christians have, quand le Seigneur parle de son amour, when the Lord talk about his love, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Many don't really know what that means. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Il y a trois sortes d'amour. There are three kinds of love. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Il y a l'amour par intérêt. There is love by profit. L'amour sentimental. Feeling love. Et l'amour de Dieu. And also the love of God. Je dis bien, il y a trois types d'amour. I said again, there are three kinds of love. Il y a l'amour par intérêt. There is love by profit. Et l'amour charnel. There is also the carnal love. On appelle aussi l'amour sentimental. What is called the feeling love. Et l'amour de Christ. And finally, the love of Christ. Mais ce que nous voyons aujourd'hui ici. But what we are going to see tonight here. Nous allons voir l'amour de Christ. We're going to see the love of Christ. L'amour de Christ est au-dessus de tous les autres amours. The love of Christ is above all the other loves. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. L'amour par intérêt. The love by profit. Tu aimes quelqu'un parce que il te donne quelque chose. You love somebody because he can give you something. Ce genre d'amour là. This kind of love. Ça ne dure pas. Cannot endure. Parce que dès qu'il te donne plus. As soon as he will not give you anymore. Ce sentiment charnel, c'est fini. This carnal feeling is finished. Et cet amour là. And this love. Si tu vois. If you see. Une jeune fille. The young lady. Qui est mariée à un vieillard. Who is married to the old man. Ou bien un vieux. Or to the old one. C'est de cet amour là qu'il s'agit. It's about this love I'm talking. Elle est avec ce monsieur. She's with this man. À cause de son argent. Because of his money. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Reason why there are so many divorces. Alléluia. Amen. Ça c'est l'amour par intérêt. This love is the love by profit. Alléluia. Amen. Et c'est une sorte, et je parle de cet amour entre ce monsieur vieillard et la jeune fille. En réalité, c'est une sorte de prostitution. I talk about this love between these ladies and this old man. This alléluia. Kind of the prostitution. C'est une sorte de prostitution. The kind of prostitution. Ça veut dire que je suis avec lui. I am with je n'ai pas le deuxième amour. I don't have qui est l'amour sentimental. The second love, that is the feeling love. Mais l'amour que je manifeste envers cet homme, but the love I manifest toward this man, c'est un amour par intérêt. Is the love by profit. Je l'aime parce qu'il m'a donné une voiture. I love him because he gave me the car. Je l'aime parce qu'il m'a donné de l'argent. I love him because he gave me money. Dès qu'il ne donne plus, as soon as he cannot give me anymore, il n'y a plus l'amour. This love will disappear. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Et le deuxième amour, and the second love, c'est l'amour sentimental. The love, the feeling love. Alléluia. Amen. Et c'est un amour qui ne dure pas. It's a love also who does not last. C'est comme une fleur. It's like the flower. Et qui fleurit. Which is flowering up. Vers 10 h. Around 10 o'clock. Et à 17 h. And at 5 p.m. Cette fleur se fane. This flower is fade. Alléluia. Amen. Cet amour sentimental là. This feeling love.
Beaucoup de jeunes filles, many young girls, beaucoup de jeunes gens, many young men, l'utilisent, use that love, pour faire leur foyer. To make the marital home. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. That's why in this marital home there are so many divorces. Parce que l'homme, because the man, l'homme, the man, il change. Change according to. Il change de physionomie. He change as this way the form. Tu vas voir une petite fille. We see the small lady. Très jolie. Very beautiful. Très mince. Very thin. Et tu dis que mais cette femme là, c'est celle là que je veux. Say, this kind of lady that I want. Vraiment sa forme me plaît. Really, I like a shape. Elle a une forme de guitare. Yeah, the guitar shape. Pas guitare acoustique, mais guitare solo. But a solo guitar shape. Alléluia. Amen. Et tu prêches cette jeune fille. And you take this young et girl. Et vous rentrez dans le foyer. And you enter in this marital home. Et puis tu la mets à l'aise. And you put her very. Elle mange sans contrôler. She eats without controlling herself. Elle boit la sucrerie sans contrôle. She drinks also juice and sugar, referring without controlling herself. La sauce graine est consommée en quantité industrielle. The grain soup also is consumed as industrial quantity. Et 3 ans après, and 3 years later, tout ce qu'elle a mangé, or what she has eaten, lui fait changer de forme. Make her change her shape. Et ce monsieur là, and this man, il commence à la tromper. Starting to cheat her. Parce que c'est pas la femme. C'est pas la forme que lui il a pris pour rentrer dans sa maison. Because not the shape she took or he took to. Alléluia. Home. J'ai dit alléluia. Amen. Ça c'est l'amour sentimental. This is the feeling love. C'est pour cela que quand les gens se basent sur cet amour sentimental. That's why some people base themselves to marry on this. Et qui se marie? Love. Amen. Et qui se marie? And they marry. 3 ans. Si ce mariage a trop duré. If this marriage delay. C'est 3 ans. It is 3 years. C'est fini. And this marriage is over. C'est fini. 3 ans, c'est fini. After monsieur, 3 years, monsieur Trump, madame. This relationship is over and the man cheat a wife. Voilà, il va trouver maintenant que sur le lit de 3 places, elle occupe maintenant trop de place. And she take now more place. Parce que effectivement, because efficiently, de la biche, from the still, on est devenu maintenant une éléphante. From the two, she has become now the elephant. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Ne riez pas, je suis au sérieux. Please don't laugh. I'm the serious. Alléluia. Amen. Et cet amour, ça ne dure pas. And this love does not. Maintenant, delay. L'amour sacrificiel. Now the sacrificial love. C'est cet amour-là dont on va parler aujourd'hui. That love we are talking about tonight. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Cet amour-là. This love. Ne marie pas le bien matériel. Does not marry the material good. Ne marie pas la forme. Does not marry the shape. Mais cet amour marie l'esprit. But this love marry the spirit. Oh, l'esprit d'un homme. Not the spirit of the man. L'esprit d'une femme. The spirit of the woman. Ne grossit jamais. Does not swell. C'est la même forme. Still the same shape. Alléluia. Amen. Donc tu vas voir. So you will see. Et que vous êtes marié. Ça fait 10 ans. You marry for 10 years. Et comme c'est un amour sacrificiel, the sacrificial love, un amour qui vient de Dieu, the love that come from God, tu vas voir le monsieur, you see the man, il est toujours avec sa femme, he always with his wife, et la femme aussi, and the wife also, elle est toujours avec le monsieur, always with this husband, et ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, for 20 years, they are ça fait, married, ma femme et moi, ça fait 17 ans qu'on s'est mariés, my wife and me, 17 je n'ai jamais years. Même vu une fille pour dire, fais comme ça, I've never non, seen a girl to parce que c'est un amour. Because that love is a sacrificiel. The sacrificial love. Alléluia. Amen. Et cet amour-là. And that love. Dieu dit. God says. Que cet amour-là. That this love. Comment on le pratique? How shall we practice this love? La Bible dit. The Bible says. Dieu dit. God says. Il dit. He says. Homme. Us. Aimez vos femmes. Man, love your wives. Comme Christ. As Christ. A aimé l'église. Has loved the church. Alléluia. Amen. Mais. Vous savez, je vais vous dire une chose. But you know, I want to tell you something. L'amour basé sur le matériel. The love based on the material. À sa condition de vie. As his life conditions. L'amour basé sur les sentiments. The life also based on the à feeling. À sa condition de vie. Also the life maintenant, conditions. Maintenant, l'amour sacrificiel. Now the sacrificial love. L'amour de Dieu. The love of God. A aussi sa condition de vie. As also his living condition. Alléluia. Amen. En toute chose, il y a une condition. In everything, there is a condition. Vous comprenez? Amen. Donc cet amour-là. So this love. Comment il est défini? How is it defined? La Bible dit. The Bible says.
Marie, husband, aimez vos femmes. Love your wives. Comme Christ a aimé l'église. As Christ has loved the church. La Bible n'a pas dit. The Bible didn't say. Marie, husband, aimez vos copines. Love your boy or girlfriend. Comme Dieu a aimé l'église. As God has. Parce que tout homme sur la terre. Every man on the earth. Il aime sa copine. Love his girlfriend. De manière charnelle. As the carnal way. Donc cet amour comment il se manifeste? So how this love manifests? Dieu dit. God says. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Love your wife as Christ has loved the church. À quel moment? But at what time? Christ a aimé l'église. Christ has loved the church. Christ n'a pas aimé l'église. Christ did not love the church. Quand on a été converti. When we have been converted. La Bible dit. The Bible says. Dieu a tant aimé le monde. God has so much loved the world. Qu'il a donné son fils. That he has given his son. Afin qu'il croit en lui. Anyone who believes in ne périsse point. Shall not perish. Mais ait la vie éternelle. But have everlasting life. Donc cet amour là. So this love. C'est un amour que Dieu te donne. It's the love that God gives you, et qui se manifeste. That is manifest, sans condition. Without condition. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as une forme de guitare solo. Not because you are the solo guitar shape, que je t'aime. That I love you. C'est parce que tu as un bon comportement. Not because you are the good behavior, que je t'aime. That I love you. Je t'aime. I love you. Parce que Dieu a mis cet amour surnaturel. God has given this supernatural love, cet amour sacrificiel. Sacrificial love, dans ma vie. In my life, pour que je puisse t'aimer. For me to manage. Et quand tu as cet amour sacrificiel là. When you have this sacrificial love, c'est cet amour sacrificiel qui peut changer. That love that can change. Ton partenaire. Your partner. Ta femme. Your wife. Ou bien ton mari. Or your husband. Selon le cœur de Dieu. According God's heart. Vous comprenez ce que j'ai dit? You understand what c'est-à-dire que vous rentrez dans le foyer. That you enter that marital ta femme a ce comportement. Your wife has this. Ton mari a ce comportement. Your husband also. Et si tu l'aides. And if you love him, de manière sacrificielle, sacrificial way, comme Christ est sacrifié, Christ sacrificed pour aimer l'église, to love the church, comme Christ est sacrifié, Christ sacrificed pour aimer les prostituées, to love the prostitute women, pour aimer les drogués, to love the drug smokers, pour aimer les pédés, to love the gays, et il les a aimés, and he has loved them, sans condition, without condition. Si tu aimes ta femme comme ça, if you love your wife that way. Quelques temps après, sometime later, le modèle de femme que tu veux, the model of what you want, Dieu va te donner cette femme-là. God is going to give you through this lady. Regarde aujourd'hui, look at today, les plus grands serviteurs de Dieu, the biggest servant of God, c'est des gens de voyous avant. Are the folk before? C'est des bandits de grands chemins. Are the big folk before? Avec cet amour sacrificiel, with this sacrificial love, aujourd'hui. Today, ils sont devenus les hommes les plus gentils sur la terre. They have become the more kind men on the earth. Moi, je ne vais pas loin. Je ne vais pas loin. I don't go further. Quand tu prends le cas de Ben, when you take, quand tu prends le cas de Jean-Louis, Jean-Louis Kay, des bagarreurs attitrés, des fighters, et Ben, un braqueur attitré. And Ben was also the murderer. Mais quand les temps ont été accomplis pour lui, but when the time has been appointed for him, et Dieu l'a appelé, and God has called him, et je n'ai pas regardé de ce qu'il était un bandit. I was not looking at what the third. Mais je l'ai aimé avec l'amour sacrificiel. And I've loved him with the sacrificial aujourd'hui, love. And today, il s'est marié. He has married. Et Ben, il est l'un des hommes qui sont les plus gentils de l'église. One of the kind men on the church. Alléluia. Amen. Et vous dites que vous avez l'amour de Christ. And you say that you have the love of Christ. Mais regardez comment vous traitez votre femme. But look at the way you treat your wife. Tout ce qu'elle fait de bon. Everything she did. Vous ne parlez pas de ça. You never talk about. Mais tout ce qu'elle fait de mauvais. Everything she has done as bad. C'est de ça que vous parlez. About that you talk. Et vous dites que vous êtes chrétien. And you say that you are Christ. Vous avez le Saint-Esprit. You have the Holy Spirit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. You don't have the Holy Spirit. Regardez votre maman. Look at. Quand on s'est marié. Elle n'était pas comme ça. She was not that way. Par moment même. Sometimes. Quand je viens à l'église. When I was coming. J'ai dit ma femme elle est bien. I said my wife is good. Alors que peut-être à la maison je lui ai dit quelque chose elle me boude. I told her something. Mais je dis elle. Yeah. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Je suis ici, cet esprit-là. The Holy Spirit is present. C'est l'une des plus bonnes femmes au monde. She's one of the more kind women of the world. Vous comprenez? C'est des amours là qu'on parle. It's about this love we are talking. L'amour sacrificiel. Sacrificial love. C'est l'amour sacrificiel qui transforme l'homme selon le cœur de Dieu. Sacrificial love that changes the man according to the heart of. Alléluia. Et tu as cet amour. And you have this love. Tu es chrétienne. You are a Christian woman. Femme de pasteur. Woman of pastor. Tu es un pasteur. You are a pastor. Et les fidèles ont quitté l'église. The believer left the church. Et depuis tu es là. And since you are there. Tu boudes. You ground. Tu les insultes. You insult them. Moi, tous ceux qui ont quitté l'église là, comme je sais qu'il y a d'autres qui vont venir. Non, je parle pas. Left the church. I know that the new one will come.
I don't care. Où survivre les bagages? Je sais que par moment quand ils écoutent, ils m'écoutent, ils m'insultent tout cela. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est là que tu vas venir prendre le micro pour parler ici. C'est ça que j'attends. Alléluia. Je dis Alléluia. Ça, c'est l'amour sacrificiel. C'est-à-dire que quand tu as cet amour-là, tu ne vis pas Christ dans ta chair, in your flesh, dans ton âme, in your soul, mais dans ton esprit. But only in your spirit. C'est pour ça que la Bible dit, that's why the Bible c'est says, de manière spirituelle qu'on juge. And a spiritual way that we judge, le chrétien, the Christian, il ne vit pas does not live selon la chair, according to the flesh, selon son âme, according to soul, mais il vit selon l'esprit. But he only lives according to the spirit. Vous comprenez ce que j'ai dit? Do you understand donc, what I'm quand tu as le signe d'esprit, so when you have the Holy Spirit, tu as cet amour-là. You have this love. Dieu te donne. God gives you. Si tu n'as pas cet amour, if you don't have this love, tu ne peux pas être chrétien. You cannot be Christian. Regardez. Look at. Ça fait combien de temps tu tournes le dos à ton mari? How long do you turn your back to your husband? Mais c'est toi à l'église, c'est toi à l'église, c'est le pasteur. Non, madame Dogbo, ou bien madame Kwame, ou bien madame Yao, vraiment, c'est une femme de modèle. Et on te dit ça, tu crois. Oh, à la maison, tu tournes le dos à ton mari parce que tu lui as demandé un pain, et le monsieur n'a pas l'argent et tu boudes. Is a very kind lady because at home you ask this rapper and this man does not have the money, so you start grunting against et tu es rempli d'amour. And you say you are full of love. Tu es une plaisanterie. You are the joker. Tu comprends ce que j'ai dit? Do you understand what I'm saying? Tu comprends ce que j'ai dit? Do you understand? Regardez-toi aussi. Look at you too. Pasteur. Pastor. Diacre. Deacon. Regarde ton comportement. Look at your behavior. Avec ta femme. With your wife. C'est devant les gens. Before people. Que tu exposes ta femme. That you disclose your wife. Et tu prends le micro. And you take the microphone. Pour exhorter. To exalt. Tu vas exalter qui? Well, la Bible déclare que l'évangile commence à Jérusalem. That's why the Bible says, let the gospel start. Quand tu as le Saint-Esprit, when you have the Holy Spirit, tu as l'amour sacrificiel. You have the sacrificial love. Tu ne fais pas les choses parce que tu veux. You don't do the thing because you mais want. Tu fais les choses parce que Dieu veut. You do the thing as God wants. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Do you understand? Regardez. Look at. Regardez. Look at. Il dit. He says. Verset 3. Verse 3. Bien plus. Furthermore, nous nous glorifions même des afflictions. We glorify tribulation. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Knowing that tribulation produces perseverance. Tu vois, vous voyez les éléments you see de l'amour. The element of love. Vous voyez les éléments de l'amour. You see now the l'affliction tribulation était un élément que tu dois avoir pour arriver à l'amour de Christ. One of the elements you must get to reach to the level alléluia. Of the love of Christ. Il dit l'amour, il dit l'affliction. Et produit la persévérance. Tribulation produce si quelqu'un n'est pas persécuté, if somebody is not persécuté, il ne peut pas être persévérant. He cannot be persévérant. Or, no. Pour atteindre l'amour sacrificiel, to reach the sacrificial love, c'est le chemin qu'on doit emprunter. There is the way we must take. Et toi, tu ne veux pas ce chemin. And you don't want this way. Et tu dis que tu as l'amour de Christ. And you say that you have the love of Christ. Tu es un menteur. You are a liar. Regardez le chemin. Look at the way. C'est pas moi qui ai écrit. I'm not the one who has written it. Et certaines personnes disent non, le pasteur il est trop dur. Some people say no, the pastor is so. Mais je n'ai qu'à expliquer ça comment? Hard in his preaching. Il est sec. Je n'ai qu'à expliquer comment? But how do you want me to explain? Moi je vous dis une chose. Moi je ne prêche pas pour des gens qui n'aiment pas la vérité. Look at, I don't preach for people who don't like regardez, the truth. Regardez. Look at. Verset 2 même déjà. From verse 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Whom we get by access this grace, dans laquelle nous demeurons fermes. So that we stand et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. And receiving the hope of the glory of God, pour avoir l'amour de Christ. To have the love of Christ. Bien plus. Furthermore, nous nous glorifions même des afflictions. We glorify even the tribulation. Sachant que les afflictions produisent la persévérance. Knowing that tribulation produces perseverance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. And perseverance, the victory in the Et cette victoire, l'espérance. Regardez, ça c'est le chemin. C'est le chemin qu'il faut emprunter pour avoir l'amour de Christ. The way you must take to get the love of Christ. Vous comprenez ce que j'ai dit? Tu dois commencer pour atteindre l'amour de Christ. To reach the love of Christ. Pour avoir l'amour de Christ. To have the love of Christ. Tu dois commencer par les afflictions. You must start by afflictions. Les persécutions. By persecution. Les injures inutiles. By useless reviling. Vous comprenez? Il faut venir. Bien. Des injures inutiles.
Useless reviling. Des accusations, on ne voit pas la tête, on ne voit pas la queue. Some accusation, vous comprenez ce que j'ai dit? Regardez, moi je vous dis quelque chose. Le problème que vous avez, vous les chrétiens, vous n'avez pas la parole de Dieu. You don't like the vous, word of God. Vous aimez, on n'a qu'à prier pour vous, tout va marcher. Il a dit, ça ne marche pas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. No, God does not work. Pour qu'on te donne quelque chose, il y a toujours une condition. There is always a condition. Pour marier une femme, il faut payer la dot. To marry the lady, you c'est la condition. Si tu ne payes pas la dot, demain matin, ce monsieur-là, il peut te laisser même en pleine rue. If you don't pay the dowry, parce qu'il n'est pas engagé quelque part. He can leave you even the street because he's not committed. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, et l'amour dont nous sommes en train de voir ici. So the law we are seeing, il y a un chemin qu'il faut emprunter pour avoir cet amour. The way you must take to et dit quoi? L'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire. Comment et puis la victoire dans l'épreuve. And he said victory in the trial. C'est-à-dire que toute victoire, c'est dans l'épreuve. I mean that every victory is got in the trial. Alléluia. Amen. Prenez une finale de match de football. Take the final cup football final. Real de Madrid. Real de Barcelone. Of Madrid and Barcelona. Regardez les deux grands clubs. Look at these big teams. D'Espagne. Of Spain. Quand le match, quand l'arbitre central donne le coup d'envoi. When the central referee give the. Regardez comment les joueurs la souffrent. Look at how the players. Regardez comment le gardien même au moment il se tend. Look at sometimes the goalkeeper stretches his hands. Son dos même tape le poteau. Sign is back and feel on the. La victoire dans l'épreuve. The victory in the trial. Et vous, on vous dit, vous venez aujourd'hui ici, on dit non, Dieu me montre ton mariage, Dieu me montre que tu vas voyager, Dieu me montre que tu vas avoir beaucoup d'argent. Mon ami, c'est faux. Pour que Dieu oblige te donne, voici le chemin. Friend, l'affliction, for God to give you la persévérance, c'est pas ça? C'est pas ça? Amen. Et il dit quoi? Quoi? Victory. Victory. La persévérance produit la victoire où? Ce n'est pas sur un gâteau, mais dans l'épreuve. Not on the cake. Toute victoire. Every victory. Qui ne se tient pas par les épreuves. That is not obtained by the trial. Est une victoire volée. Is the stolen victory. Tous les tricheurs de, parmi les tricheurs parmi les pendant l'examen, c'est des victoires volées. Il y a all pas épreuve. Cheaters during the examination are the stolen victory they got. Ouais, on a copié pour te donner et tu sautes. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Et toi la jeune fille pendant les épreuves. Et tu coupes ici des cuisses ici, comme le pasteur, l'examinateur ne peut pas regarder. Et quand c'est chaud un peu, tu fais comme tu t'en vas aux toilettes, tu regardes. Et tu vois, et quand on donne l'examen, tu sautes. Dieu n'appelle pas ça une victoire. And you go in the toilet to watch it during the examination. God Dieu appelle ça victory. À la fraude. God call it the fraud. Vous comprenez? Donc, amen. Regardez, pasteur. Moi, je vous dis, regardez, ne blaguez pas les gens. Expliquez les choses. Please, don't disappoint comme ça, là, quand ça arrive, là, ils ne vont pas dire que c'est le diable. That's what, when it happened, they will not say it's parce que moi, devil. Je sais. Because I know. Pour que Dieu me lève, for God to promote voici me, la voie sur laquelle Dieu va me mettre. This is the way God will put donc, me on. Quand je suis dans cet instrument de bénédiction, so when I'm that instrument of blessing, je ne me plains de personne. I don't complain against parce somebody. Que je sais que c'est ce que Dieu a dit. Because I know that what God said, et la Bible déclare que c'est que Dieu dit. The Bible says what God says, et sa main aussi peut sa main est toute puissante pour l'accomplir. And it's also powerful to perform. Donc, les gens viennent à l'église. So people come to the vous church. Leur mentez. You lie to them. Qu'ils vont voyager. Qu'ils sont bénis. They are blessed. Ils vont avoir le travail. They will get jobs. Oh, Dieu dit la victoire là. Victory, voici le chemin. To get the victory, this is the way. Vous comprenez? Do you understand? Si c'est à cause de ça que les gens trouvent que je suis dur, ça c'est leur problème. It's for that reason. Mais je ne fais qu'expliquer la parole de Dieu. It is the problem. I just explained the word of God. Vous voyez ce que j'ai dit? Regardez le chemin. Look at the way. L'affliction. Tribulation. La persévérance. Perseverance. La persévérance. Perseverance. La victoire dans l'épreuve. Victory in the trial. Et cette victoire, l'espérance. That victory. Pardon. After that, et cette victoire, l'espérance. After that victory. Oh, l'espérance ne trompe point. No, hope does not disappoint. Ça veut dire quoi? It means what? Ça veut dire que quand tu as traversé toutes ces épreuves là, when you have crossed all these trials, toutes ces étapes là, que tu arrives à l'espérance, and you got at the level of the hope, ta vie est garantie.
Your life is guaranteed. Toi, tu veux voir l'affliction et puis tu dis non. Et Dieu garantit ta vie. You don't want tribulation. He said, voilà le chemin. Your life. This is the way. Voilà le chemin. Regardez. This is the way. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Regarde. It's not me. This is the way. Regarde ce que Dieu dit. Look at what God says. Il dit, oh, l'espérant ne trompe point. No. Voici les étapes. Première étape. First stage. L'affliction. Affliction. Deuxième étape. Second stage. La persévérance. Perseverance. Troisième étape. First stage. La victoire dans l'épreuve. Victory in the trial. Et quatrième étape. And fourth. L'espérance. Hope. Quand tu atteins la quatrième étape. When I reach the fourth. Ta victoire est assurée. Your victory is. Et vous êtes à la première étape. Safe. Et on vous dit que non, c'est fini. Votre victoire est assurée. Allez-y dormir tranquille. You are the first. C'est là que vous venez pas à l'église. Go to sleep. Vous pensez que Dieu fait rien pour vous. You don't come to. En réalité, c'est toi qui fais rien pour Dieu. In reality, you are the one who does anything for God. Voyez-vous? Donc les gens, vous pensez que la vie est facile quoi. Look how you think that life. Et les pasteurs vous mentent. Envoyez huile. You. Huile. Regardez, l'huile que tu donnes, on te donne pour ta bénédiction là. Est-ce qu'il y a huile là? Est-ce qu'il y a huile dedans? Look at the oil that I've been given you for your. Est-ce qu'il y a huile dedans? What I read. Parce que attends, parce que tu as huile d'onction, on a mis sur toi. Donc ça, regardez, moi je vous dis, on dit le prophète Samuel, il dit trop la vérité. Get the blessing. People. Mais moi je ne comprends pas. So much say the truth. Je ne dis pas trop la vérité. I don't say la Bible dit trop la vérité. Too much the truth, but it's the Bible that says. Vous voyez, la Bible dit trop la vérité. The Bible say the truth. Il y a quelqu'un qui a commenté que sur notre plateforme de Shadrach que la Bible n'est pas la parole de Dieu. J'ai dit aux enfants de ne pas répondre. Si c'est pas la parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas un problème. Le jour, il va arriver chez Dieu là-bas, et Dieu va régler ça. Non, on ne discute pas. Non, il dit que non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il pense qu'on va rentrer dans les polémiques. Nous, on ne rentre pas dans les polémiques. Comment it. Don't comment. C'est comme il y a un aussi qui a dit que le 1 et puis le 0 là. Il dit comment vous pouvez croire à ces fables comme ça. Bon, fable, c'est pas fable. Moi, on ne répond pas. There are one also who said the image of one and zero have given you that how can you believe this? Vous comprenez? Regardez ce que Dieu dit. Voici l'étape pour arriver à la gloire. Et vous venez aujourd'hui, et les gens vous blâment. Et quand les gens viennent, quand ils prêchent là, quand ils viennent là, ils ne viennent plus. Et ils tournent dans les églises. Et au même moment, on s'en rend compte, rien n'a changé dans leur vie, c'est leur visage. Parce qu'ils disent. Vous comprenez? Regardez. Vous voulez que je vous blague? Non, moi je sais que le Seigneur dit il aura beaucoup d'appelés, mais peu de lui. You. Moi je prêche au peu de lui. I know that God said alléluia. Many called, but few. Alléluia. Elected. So verset 5. For the few elected. Oh, l'espérance ne trompe point. No, the hope does not disappoint. Parce que l'amour de Christ, de Dieu, for the love of est répandu dans nos cœurs is praying in our hearts, par le Saint-Esprit by the Holy Spirit, qui nous a été donné. Who has been given. Vous comprenez? Donc, quand tu atteins les quatre niveaux là, when you reach those four levels, maintenant Dieu te donne maintenant la victoire que Dieu te donne là. Now the victory God gives you now, c'est l'amour. Is love. C'est l'amour de Christ. The love of Christ. Ouais non. Do you see? Ouais non. Regardez. Est-ce que quand j'ai fini de citer les quatre étapes là, est-ce qu'à la fin on a dit à l'argent? When I finish to. Est-ce qu'on dit à mariage? Oh, there's four. Est-ce qu'on a dit à villa? We talk about. Dieu fait ça. Villa. Pour que? About pour que? Money, car, pour que? So that. C'est l'amour. God does this for you to get love. Parce que l'amour de l'argent, il va enlever ça. Because de l'affliction. Love of money. Toi-même avant, ta pomade coûtait 30 000. Maintenant même, Coco Better, 500, tu ne peux pas gagner. Your anointment cost 30,000. Ta peau là, comme tu as fait produit, Coco Better, ça, you comme Dieu est gentil, 50, ça a devenu, parce que Dieu va tout enlever. Donc ça a devenu comme, tu as devenu comme caïman. As you have done anointment on your dans l'affliction, les gens vont t'insulter. You have become loud, a great lizard. Ils vont t'insulter. Hey, c'est la main avance, elle a sa peau là. Ah, donc elle était noire comme ça. Hey, les gens aussi, hein. Look at her skin. Dans l'affliction. She was mais quand, so black, quand on te parle comme ça là, so tu persévères. To do that way, you have to persevere. Et puis maintenant, Dieu te donne l'amour. Persevere. Mais qu'est-ce l'amour de Christ, qu'est-ce que ça nous donne? What the love of Christ. Regardez, gives us. Écoutez-moi très bien. Please listen to me carefully. Non. L'amour de Dieu ne donne pas l'argent. Love of God does not give money. Regardez ce que ça donne. Look at what it gives. Regardez ce que ça donne. Look at what it Galates gives. Chapitre 5. Galatians 5. Verset 22. 22. Galates 5, 22. Galatians 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, but the fruit of the c'est l'amour. Is love. L'amour produit la joie. Love produces joy. La joie produit la paix. Joy produces peace. La paix produit la patience. Peace produces patience. La patience produit la bonté.
La bonté produit la bienveillance. Kindness produces goodness. La bienveillance produit la foi. Goodness produces faith. La foi produit la douceur. Faith produces kindness. Et la douceur produit quoi? La maîtrise de soi. And gentleness, mon ami, self-control. Bon, entre l'argent, my friend, between money, et puis maison, and house, et puis femme, and women, et puis garçon, and men, tu choisis ce que l'amour là te donne, ou bien tu choisis maison. Will you choose what this love gives you, or moi, je vous dis une chose. House or money? Lisons la Bible. Let us read the Le Saint-Esprit nous donne l'amour. Because the Holy Spirit gives us love. Vous comprenez? Après toutes ces épreuves. After these trials. Vous comprenez? Maintenant, quand tu as l'amour là, now, Dieu dit que c'est ça là que Dieu te donne. God say, is it this? Tu comprends ce que j'ai dit? Parce que quand tu as la paix, when you have peace, tu dors longtemps, tu dures longtemps sur la terre. You delay long on the earth. Parce que quelqu'un qui n'a pas la paix, somebody who does il est stressé. He's so stressed. Il va avoir AVC. Will have il va mourir. And will die. Dieu dit. God says. Dieu dit. God says. Ça sert quoi un homme? What is served to a man? De gagner toute la terre, to earn all the tout l'argent, all the money, et puis aller en enfer. And go in the hell. Normalement, même l'enfer commence sur la terre. Normally, the hell starts on the earth. Parce que tu n'as pas l'amour de Christ. Because you don't have the love of donc, Christ. Tu n'as pas la joie. So you don't have joy. Tu n'as pas la paix. You don't have peace. Tu n'as pas toutes ces choses. You don't have all these things. Et puis, and then, on te donne l'argent. You have been given money. L'argent va te tuer. That money will kill you. Vous comprenez? Parce que quand tu vas faire une affaire, so when you will do the business, et que tu vas perdre 20 millions, and you will lose 20 millions, ton cœur va battre. Your heart will beat tu peux avoir crise cardiaque. You have power. Oh, si tu as la patience, so even you have the patience, tu dis j'ai perdu 20 millions, you say, I've lost demain Dieu peut me donner 50 millions. 20 millions, but tomorrow God is able to give me 50 fils, millions. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Mais regardez. Vous courez derrière l'argent, vous courez derrière le money, you run back to businesses. Regardez. Look at. Regardez. Regardez, c'est ce chose extraordinaire que l'amour donne. The thing that the love of Christ gives us. Mais le fruit de l'esprit, but the fruit of the c'est l'amour. Is love. L'amour sacrificiel. Sacrificial love. La joie. Joy. La paix. Peace. La patience. Long suffering. La bonté. Kindness. La bienveillance. Goodness. La foi. Faith. La douceur. Mon ami, regardez ce que la douceur peut t'apporter dans la vie. My friend, look at quand une femme est douce, can même si son mari est dragon, when the girl or the woman is quand même si son mari est dragon, gentle, ce and monsieur elle va se plier un jour. Husband is dragon. Papa, j'ai écouté un enseignement de Papa Karambiri. I've heard the où il y a une dame qui s'est mariée, elle s'est mariée avant, il était avec un monsieur, and that's son mari, voilà, mariée légalement, legally married, et puis. And then, son mari la maltraitait tellement. And she was so maltreated by her husband. Et un jour Dieu a appelé sa femme à l'église. And one day God called this lady in the church. Et quand Dieu a appelé sa femme à l'église, when that woman has been called in the church. Et avant, before, quand le monsieur parle, when that man speaks one, la dame multiplie par trois. The lady multiplied by three. Ou même par quatre. Or by four. Alléluia. Amen. Ton pied, mon pied. My feet, my foot. Je suis pas ta servante. I'm not your servant, she said. Des paroles comme ça. This kind of words. Des paroles comme ça. This kind of words. Donc et alors que whereas le monsieur aussi vraiment il est canaille. This man also was so coward. Donc un jour, and one day, Dieu a appelé sa femme à l'église. God called this elle est woman partie à l'église. To the church. She went to the church. Depuis qu'elle est partie à l'église, since she has started going to the semaine, church, 1 week later, le monsieur voit que il parle mal à sa femme. He realized that he reproached to that wife. Elle répond pas. She does not reply. Deuxième semaine. Second week. Elle répond pas. She does not reply. Le monsieur allait payer une Bible. He went to pay the Bible. Donc il lit la Bible. So he started reading the Bible. Il lit la Bible. He read femme, the Bible. Soyez soumise à votre mari. Woman, be submitted to your husband. This et moi. 1 month later. La femme répond pas. That lady does not reply. Un jour. And one day. Il était en train de manger. They were eating. Et puis il a dit à sa femme. And he said to his wife, ça fait un mois. There is 1 week, 1 month later. J'ai constaté que Jésus est rentré dans ma maison. I noticed that Jesus enters into your life. Sa femme lui demande, mais tu l'as vu où? Parce que la dame elle connaît pas, elle comprend pas. And she said, where have you seen him? Il dit, tu l'as vu où? Where have you seen him? She said. Il dit non. Depuis said, no, un mois. For 1 month que tu as donné ta vie au Seigneur. That you gave your life to the Lord. J'ai vu que I realized that ta vie a changé. Your life has regardez, changed. Il a sorti la Bible. Look at it. Tout ce qui est écrit dedans, put out the Bible, c'est ce que tu fais. Everything donc, that is written, what you do. Jésus est rentré dans ma maison. So Jesus entered donc, my house. Donc, tu vois bien que c'est plus un mois.
So you have seen that for this on ne fait pas de palabres. Même quand il te provoque, we don't quarrel. Tu dis rien. Even I provoke, donc, à partir d'aujourd'hui, so from today, je réalise que ton Jésus-là est vrai. I realize donc, that je te suis à l'église. True, and I will follow you to the church. Thank you, Jesus. Ça, this, elle est remplie du Saint-Esprit. She is full of the Holy Spirit. Elle a le fruit de l'Esprit. She has the fruit mais of regardez, the Holy tu dis que tu es chrétienne. But look how you say you are quand ton mari parle un, when your husband speaks regardez, one, tu te verses. Look how you pour down yourself. Tu dis que tu es, et puis c'est toi qui prophétises. And you are the one who prophesies. Il y a une chose. Look at. Arrêtez de vous blaguer vous-même. Stop deceiving yourself. Wo. Et quand les fidèles, tes en Christ, quand tu es en train de servir Satan, en criant sur ton mari, en insultant ton mari là, quand on sort net là, tu vois la scène net là, tu changes, tu es devenu une femme caméléon. Satan, by running out of your husband, you have become now the strength woman. Une femme caméléon. The strength woman. Un homme caméléon. The strength man. Tu es en train de frapper ta femme, hein? You are tu es en train de l'insulter. Quand tu vois her, le pasteur net, ah pasteur, madame, va lui donner de l'eau. Tu es hypocrite. And you start laughing. No, vous n'avez pas l'amour de Christ. Hypocrite laughing. You parce que c'est parce qu'on ne vous explique pas la parole because de Dieu. We don't really explain you the word of God. Vous voyez? On ne vous explique pas. We don't explain quand you, ils viennent net, ils lisent un verset. When they come, je vois ta bénédiction. Je vois. C'est des conneries tout ça. I see something going to happen. Look at this. La même, la Bible dit. The Bible celui qui a le Saint-Esprit peut prophétiser. You as the Holy Spirit is able to prophesy. L'amour de Christ, le Saint-Esprit, the Holy Spirit produit en nous l'amour de Christ. Produce in her the love of Christ. Romains 8, Romans 8, 5, 12. 5, 12. Romains 8, 5, 12. Romans 8. Romains 8, 5, 12. 5, 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Those who live according to the flesh are more of the flesh. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit affectionnent aux choses de l'esprit. Those who live according to the spirit are mind of the thing of the spirit. Et l'affliction de la chair, c'est la mort. And the mind of the flesh is death. Tandis que l'affliction de l'esprit, c'est la vie et la paix. Or the mind of the spirit is peace. Car l'affliction de la chair est inimitié contre Dieu. For it is against God. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. But it's not submitted to the law of God. Et qu'elle ne peut même pas. It does not under. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Live according to the flesh cannot be pleased to God. Pour vous, for you, vous ne vivez pas selon la chair. You don't live according to the flesh. Mais selon l'esprit. But according to the spirit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. If then the spirit of God lives in you. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. If anyone does not have the spirit of Christ. Il ne lui appartient pas. It does not belong to him. Et si Christ est en vous. And if Christ is in le you. Le corps il est vrai. The body is true. Est mort à cause du péché. Is dead on the sin. Mais l'esprit et, mais l'esprit est vie à cause de la justice. But the spirit lives because of the righteousness. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous? And if the spirit of him who raised Jesus from the dead lives in you? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Jesus from the dead will also make your body mortal that the Christ who lives in you. Ainsi donc frère, then, brethren, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nor be due to the flesh to live. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Now put your hand mightily together for the word of God. Regardez, quand le Saint-Esprit est en toi, when the Holy Spirit is in you, il te fait aimer les choses de l'esprit. He makes you love the things of the spirit. Et je voudrais vous dire une chose. And I would like to tell you one thing. Arrêtez de dire que manger pour tout c'est charnel. Stop saying that eating futu is carnal. La Bible dit. The Bible says. Les œuvres de la chair sont manifestes. The work of the flesh are evident. Galates chapitre 5 verset 19 à 21. Galatians 5, c'est ça. Quand Dieu parle des œuvres de la chair, c'est ça. When God talk about the work of the flesh are. Si tu veux, faut pas manger, tu vas mourir. If you want, don't eat, you will die. Tu comprends ce que j'ai dit? Non, les gens. Non, ça c'est la chair. Non, si tu portes chaussures, non, c'est la chair. Oh, it's why the non. The shows of value, no, it is. C'est pas la chair. Flesh. It's not the flesh. Moi, je suis témoin de Jéhovah. I'm not Jehovah's Witness. Non. Hein? Christian Céleste. Voilà, Christian Céleste, pardon. Christian Pater. Ouais. Christian is Céleste. Donc, regardez. Lisez Galates 5, verset 19 à 21. C'est quand Dieu parle des choses de la chair, là, c'est ça.
Read Galatians 5. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça est là-bas. Bon, je ne vais pas. Prenez note, après vous allez lire chez vous. Vous comprenez? Donc Dieu dit, si tu vis comme cela, tu ne vas pas plaire à Dieu. Parce que les deux sont opposés. Mais après Galates 5, verset 16 à 21. After Galatians 5, 16 to 21. Qu'est-ce qui est opposé après? Galates 5, 22. Galatians 5, 22. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne peut pas faire ce qui est là-bas. Là. Mais regardez les œuvres de la chair dont Dieu parle. Galates 5, je vais lire. Pour ceux qui n'aiment pas lire et qui me posent des questions, et dit non, pourquoi je ne donne pas les versets? Je leur ai dit, je leur ai répondu que c'est pour que vous puissiez faire vos richesses à la maison. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, rivalry, les querelles, querelle, les jalousies, jalousie, les animosités, animosity, les disputes, out of breath, les divisions, dissensions, les sept, irises, l'envie, envy, l'ivrognerie, drunkenness, les excès de table out of et les choses semblables. Voyez-vous, mais est-ce qu'il y a mèche dedans? Have you seen which hair on that? Non, est-ce qu'il y a boucle d'oreille dedans? Have you seen hearing on that? Ouais, vous n'êtes pas enseigné. For you not regardez, il y a des femmes, elles, vous ne portez pas boucle d'oreille parce que vous dites que non, que ça c'est le monde. There are some women, they don't wear the hair. C'est que j'ai lu là, est-ce qu'il y a boucle d'oreille dedans? It is from the world. What I read, have you seen the hearing that? No. Regardez, les hommes de Dieu aujourd'hui ne sont pas enseignés. Look at c'est ça, c'est peut-être que vous êtes confondu. That's why you are in confusion. C'est que j'ai lu, est-ce qu'il y a boucle d'oreille dedans? What are, have you seen? Est-ce qu'il y a chaussure dedans? Have you seen shoes in that? Non. No. La Bible dit qu'on doit décemment habillé. We have to be well dressed. À supposer que je viens ici en culotte avec mes mollets têtus là. Let's suppose that. Et tout ça. Vous allez dire mais l'homme de Dieu là même c'est non, je suis rempli d'esprit. Je suis rempli d'esprit. This man of God is ça l'a dit. La femme doit être décemment habillée. L'homme doit être décemment habillé. Quand on parle du monde là, regardez, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a l'or dedans? Il n'y a pas l'or dedans. Non. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'idolâtrie. L'ivrognerie. C'est ce que Dieu appelle. La Bible dit l'ivrognerie. Baba said drunkenness. Est-ce qu'il a mis le vin dedans? Il dit l'ivrognerie. C'est-à-dire qu'on peut boire, so mais il ne faut pas être ivrogne. But don't be drunken. Non, Dieu dit qu'il ne faut pas en boire, c'est écrit où? No, Jésus lui-même l'a fabriqué le vin. On dit c'est le vin sans le vin. Il dit la Bible, la profondeur appelle la profondeur. Si c'était le vin sans le vin, il y a autre chose. Vous ne comprenez pas français. Hein? You don't understand French. Qu'est-ce que le vin? What is wine? Le vin, c'est la vigne fermentée. Moi, je suis un chimiste. Je suis un chimiste de carrière. Donc, quand la vigne est fermentée, training, forcément, il y a l'alcool. When it's there, absolutely you will see donc, quand tu entends le pasteur, tu dis non, c'est le vin sans alcool, c'est-à-dire que tu n'es pas à l'école. Ou bien si tu es à l'école, pardon, alcohol, si tu as été, je sais pas, tu es arrivé au CM2, il faut rester où tu es là. Please, ce que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas rentrer là-bas. If you stop at primary six, please, je vous dis la vérité. What you don't master. C'est à cause de ça que vous dites que je suis dur, que je suis vulgaire, c'est votre problème. Mais il faut expliquer les choses. Jésus même a fabriqué le vin. Et les gens ont trouvé que le vin de Jésus même est plus doux que pour eux là. Regardez, j'ai oublié quelque chose. Moi-même là. Regardez l'ordinateur du repas. L'ordinateur du repas. Quand il a goûté le vin de Jésus là, il me dit, mais comment on peut apporter le meilleur vin après qu'on soit enivré? Mais j'ai oublié une chose. Tes parents qui sont au village là, moi mes parents qui sont au village là, tes oncles là, quand tu envoies du vin et puis c'est sucré, quand il prend, donc l'ordinateur n'irait pas là, ce n'est pas du vin sucré qu'il a bu, ce n'est pas du vin sucré. Parce que tous ceux qui aiment le vin là, ils n'aiment pas le vin sucré. Quand tu dis non, ça c'est, et puis vous prenez Bissap pour faire la Sainte-Seine, vous êtes trop saint quoi. Mais pourtant, vous ne parlez pas avec vos femmes. Vous ne parlez pas avec les gens de l'église. Vous avez divisé l'église. L'amour de Christ n'est pas en vous. Whether you don't speak with your wife, people of the church, and you manage the church, the love of Christ is not in you. Vous comprenez? C'est la connerie. Look at that. Non. Si Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur, il faut déposer le tablier. Please, if God not call you to become pastor,
You can now resign. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Voyez-vous, c'est... Et au verset 9. Pour vous, amen, for you, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Flesh, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, least, God, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Quand Dieu nous dit, et nous on vous dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas chrétien, vous nous insultez. C'est écrit. C'est écrit. Il dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui n'appartient pas à Dieu. C'est pas moi qui ai écrit. Pourquoi vous êtes contre nous comme ça? Vous ne voulez pas qu'on explique les choses. On n'invente rien. On n'invente rien. Il dit celui qui n'a pas le Saint-Esprit. We don't guess anything. He said, "Who does not have the Holy N'appartient Spirit pas à Dieu. Does not belong to." C'est-à-dire, il n'est pas chrétien. It means that he is not Christian. Vous comprenez? Do you understand? Et quand on explique, non, hein, pourquoi, hein, non, Dieu dit de ne pas juger. Ah, mon ami, La Bible dit, celui qui a le Saint-Esprit, Bible say, who are the Holy le Saint-Esprit Spirit produit en lui the Holy Spirit produces in him, le fruit de l'Esprit. The fruit of the Spirit. Galates 5, 22. Galatians 5, 22. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, who does not have the Holy Spirit? Galates 5, Galatians 5, verset 19 à 21. From 19 to toi-même, 21. Tu te plains qu'on dit que tu n'es pas chrétien là. You complain that we say you're not Christian? Tu es de quel côté? But at what side are you? Non. No. Vous qui nous critiquez, vous nous insultez là. C'est parce que vous êtes du côté de Galates chapitre 5, 19 à 21. You have criticized and insulted us because c'est you tout. Are the side of Galatians. Vous êtes là-bas. From 19 vous avez fait un choix. Vous êtes là-bas. Donc à cause de vous, il ne faut plus qu'on va lire la Bible. So because of you, ah, you don't aussi read the Bible. Donc à cause de toi, il ne faut plus, je vais expliquer. So because of you, I should not explain the Bible anymore. En tout cas, prophète Samuel, il va expliquer. Anyway, Prophet Samuel will continue. Vous comprenez? Donc, the word of God. C'est noir sur blanc. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. So it is written black on white. Who does not have the Holy Spirit doesn't belong to quel, God. Celui qui a le Saint-Esprit, quel est le fruit qui est en lui? Galates 5, verset 22. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il vit selon la chair. Quels sont les fruits qui sont en lui? Galates 5, verset 19 à 21. Moi, je suis blanc. Toi-même, là, quand tu regardes, regarde comment ton cœur est gros. Regarde la jalousie. Look at when you are there. Look at the jealousy. Regarde la jalousie. Tu es jaloux comme ça. You are so jealous. Même tu es pasteur, mais tes enfants, pasteurs que tu as formés là, Dieu les utilise à cause de ton gros cœur. Dieu les utilise plus que toi. Tu es jaloux. Are you a pastor or because of your regardez-moi. Quand Dieu utilise les enfants, regarde comment je suis heureux. You jealous, but look at me. When God uses my pastor, moi, I'm so happy. Toi, c'est comme toi, tu as fait ton enfant. Ton enfant devient ministre. Tu es jaloux. Like you conceive your child and you become minister and you are jealous. C'est comme aujourd'hui, Emmanuel, on dit à l'école, il est premier de sa classe, tous les pieds, je suis jaloux. Like Emmanuel, my son. Tu me dis, c'est pas la même chose, c'est la même chose. Is the top là-bas, là-bas c'est sur le plan humain, là-bas, c'est sur le plan spirituel, c'est la même chose. La nature et l'esprit vont ensemble. Because the nature and the spirit go together. C'est pour ça que moi, si un des pasteurs ici vous dit que non, comme. Papa, Dieu m'utilise. Papa est jaloux de moi. Ne l'écoutez pas. Il ment. Et puis, il t'utilise vous-même. Expliquez-moi. C'est la vérité. Ce que je suis en train d'expliquer là, tu peux expliquer. L'élève n'est pas plus grand que le maître. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Non. Moi-même, là, quand Dieu utilise mes enfants, là, regarde comment je ne peux même pas m'asseoir sur la chaise. Je suis tellement content. Et la dernière fois, quand Dieu a utilisé Evangeliste Johanna, regarde comment j'étais content. Regarde comment j'étais content. Parce qu'il faut encourager les enfants. Parce que si tu as fait ton enfant, que tu l'as mis à l'école, qu'il a les bonnes notes, tu dois être content. Mais toi, tes enfants, ils ont bonnes notes, les pasteurs, et toi, tu n'es pas content. Et tu dis que toi, tu as l'amour de Dieu en toi. Et quand on dit que tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu n'es pas un pasteur converti, et tu dis que non, il ne faut pas moi dire ça. So as a pastor, la Bible dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, hein, il n'appartient pas à Dieu. C'est tout. The Holy Spirit bon, ou bien vous voulez que je lise encore? Non, c'est bon, you on n'a pas le temps. To read it again? No. It's sufficient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 11. Verse 11. Et si l'Esprit de celui qui ressuscitait Jésus d'entre les morts habite en vous, the Spirit of you raised Jesus from the dead is celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par le Saint-Esprit qui habite en vous. Je sais que ça, vous ne comprenez pas. Je sais que vous ne comprenez pas.
you don't understand. Ça là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu ne tombes pas malade. Spirit, you don't fall sick. Il va rendre votre corps comme... Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne tombes pas malade. C'est pour ça qu'au temps des apôtres, là, au temps des apôtres, on dit si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il aille voir les anciens qui prient pour lui. Parce qu'à leur temps là, les gens pour tomber malade, c'est rare. Donc ils ont dit, si quelqu'un d'entre vous est malade, parce que c'est rare. Mais aujourd'hui, la question qu'on peut poser, si quelqu'un d'entre vous est en bonne santé. Parce que tous les dimanches là, c'est vous qui êtes malade. Is in good shape because every Sunday you are the one who are sick. Quand on va dire malade là, vous êtes tous arrêtés. When we talk about the sick people, you always stand up. Il y a des gens qui vont venir tous les jours. There are even the people. Regardez. Non, c'est pas de l'orgueil. Depuis 2002. From 2002. 26 mai 2002. On a créé l'église là. 2002. Une fois vous avez vu que je suis malade. From this time, the church has been created. La dernière fois où j'avais le vécu ça, je suis parti à l'hôpital, docteur Jean-Marie. Il a fait un bilan complet. On dit y a rien. On dit non, c'est la fatigue. I dig in and I went to the church, to the hospital, and the doctor. Et ça c'est biblique. My balance, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. I'm just tired. Vous comprenez? Donc ces temps-ci là, je me repose beaucoup. So this time, je me repose beaucoup même. Je me repose. Je me force pour dormir. I force myself parce que je suis to très fatigué. Ça fait deux ans, je ne me repose pas. Very tired because for two vous comprenez? Ce n'est pas le diable. Le corps est fatigué. C'est comme taper une belle voiture en forme et dire, et 3 mois, il faut faire une révision. Like ou bien 6 mois, il faut envoyer, ils vont changer les choses. Donc moi, de temps en temps, Dieu change les choses. Je mets à l'hôpital, on change les choses. Je n'ai pas dit que je suis malade. Depuis que 2002, Dieu m'a créé l'entreprise là. Et pardon, a créé l'église là. Un dimanche, on vous a dit que je ne suis pas venu parce que je suis malade. But from 2002, la Bible est vraie. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. I've been hearing saying that I didn't come to preach on the church because I was sick. Cela veut dire quoi? Il dit si quelqu'un d'entre vous est malade, qu'il voit les anciens pour prier pour lui. Tu vois, non? Est-ce que quelqu'un, la prière du juste a une grande efficacité? C'est-à-dire qu'à l'état, c'était tellement rare. Je n'ai pas dit qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Je n'ai jamais dit ça. Mais j'ai dit que c'est rare. Mais aujourd'hui, là, tous les mois, tu es malade. Il y a un problème. Et quand on dit ça, vous êtes fâché. Oh, c'est la vérité. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à réécrire la Bible, quoi. When we say that you're angry, but it's the truth. So you want her to write again. Il dit si quelqu'un d'entre vous est malade parce que c'était tellement rare. But being sick. Mais aujourd'hui la question qu'on pose. At that time, but si quelqu'un d'entre vous est en bonne santé. If anyone among you is not. Parce que la bonne santé on ne trouve pas. Because we don't find it so. Vous avez le Saint-Esprit. To be in the good shape. Moi je vous dis quelque chose les enfants. I tell you something, children. Aujourd'hui là. Today. Ce qui donne. What gives la maladie the sickness aux hommes sur la terre, to the people on the earth, aux chrétiens, to the Christians, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. It is because quelqu'un qui est tout le temps stressé, il va avoir AVC. Will have partial stroke. Quelqu'un qui mange sans contrôle. Somebody who does not control his eating, his food. Avec les poulets, 21 jours seulement, on commence à manger ces hormones-là. Si tu ne contrôles pas. I bring even just 21 days, and we don't control them. On dit la première santé, c'est ton alimentation. We say your first health is your food. Vous mangez garba, huile dedans comme ça, cholestérol. Maintenant, tu minces comme ça, 6 mois après, c'est éléphant. No, you were so thin before, and after 6 months, you become as a sheep. C'est pas affaire de Dieu, c'est pas affaire de Dieu. It's not a matter of. Et on doit prier pour toi pour que tu dépérisses. C'est des bêtises. We have to pray for you to. Arrête de manger, contrôle le truc. No. To waste away, please stop eating and just control your shape. Réellement, on est ici là. Et ton esprit et ce que tu vas manger là-bas. Even we are preaching right now, but your spirit is on what is going to eat after that preaching after the church. Vous-même, vous me regardez là. Regardez, tu es en train de me regarder là. Mais ta main est dans le plat. Look at those who are watching me, but you are watching the church and also your hand in your plate eating. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Dieu? Amen. Romains 8, 13, 17. Romains 8, 13 to 17. Non, les enfants, moi je vous dis que. Non. Les gens vous blaguent. Romains 8, 13, 17.
Romans 8, 13 to 17. Si vous vivez selon la chair, if you live according to vous mourrez. You will die. Mais si par l'esprit vous faites mourir les afflictions du corps, vous vivrez. You will live. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. For as many as led by the Spirit of God are sons of God. Non, attends. Hey, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, non? Amen. Oui, c'est ça. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. And you have not received the spirit of bondage to be under the fear. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. But you have received the spirit of adoption. Par lequel nous crions Abba Père. By whom we cry out Abba Père. L'esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. The spirit itself bear witness that we are the children of God. Or si nous sommes enfants, now if you are child, nous sommes aussi héritiers. We are also heirs. Héritiers de Dieu. Heirs of God. Et co-héritiers de Christ. And joint heirs of si Christ. Si toutefois if even nous souffrons avec lui, we suffer with afin him, d'être glorifiés avec lui. That we may be glorified with him. Tu as vu, non? Donc, le Saint-Esprit en toi, so the Holy Spirit is in you, fait de toi un enfant de Dieu, make out of you a child et of God, il te fait héritier de Dieu and make out of you et co-héritier de Christ. And join us of Christ. Moi, je vais vous dire quelque chose. I tell you something. Aujourd'hui, là, today, et regardez, regardez. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Arrêtez que quelqu'un vienne nous voir. Qu'est-ce que l'Esprit dit de moi? Non, non. Stop people coming. Quand la Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants de Dieu. Regardez l'Esprit là, c'est grand eux, non? Look at what the Bible said, the Spirit. Ça veut dire quoi? Il faut partir dans Galates 5, 22. Si c'est en toi, c'est qu'il te dit que tu es enfant de Dieu. Mean that go in the book of Galatians 5:22. If there's fruit in you, non, c'est pas quelqu'un qui avait te dit, ma servante, tu fais toute ma volonté, tu mens, tu mens, rien. It's not somebody who will come and tell you, my servant, you do all il my quoi? Will. No. L'esprit lui-même rend témoignage. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. The Spirit. Quels sont les éléments? Que l'Esprit utilise what are the thing that the pour rendre témoignage à notre esprit to be a witness to our spirit, que nous sommes enfants de Dieu. That we are child of God. Quels sont les éléments de ce témoignage? Galates 5, 22. Of this testimony, Galatians 5, 22. La profondeur appelle la profondeur. Arrêtez de vous blaguer. Non? Tu es ma servante. Tu fais toute ma volonté. Je suis en toi. Ne doute point. Galates 5, 22. The depth called the c'est le même miroir. Disappointing halls. Galatians 5, 22. Le même miroir. La Bible déclare que la parole mirror de Dieu est un miroir. The word of God is a mirror. C'est ça, non? Amen. C'est ça, non? Amen. La parole de Dieu est un miroir. The word of on God doit regarder dedans. We have to look at alléluia. This mirror. Je dis alléluia. Amen. Regardez comment vous faites. Regardez, vous, regardez comment vous faites. Look at, quand par exemple, tu te lèves le matin. What you quand do, tu te lèves le matin. When you wake up in the morning, tu te lèves le matin. You wake up, et que tu allais te laver. And you went to take a bath. Vous les femmes là, vous partez regarder dans le miroir. Quand vous voyez un peu de, quand on regarde dans le miroir, vous voyez un peu de, mirror, un peu de mousse aussi. Oh non, non, non. Ou bien quand la noix rouge, la noix à lèvres. Ou bien c'est rouge à lèvres. Ok. Donc quand on fait comme ça, que c'est mal fait là. Vous nettoyez non, vous regardez la lumière non. Vous regardez non. You clean it. Ouais, non? You clean it, you put it very well. Le miroir vous parle, c'est ça non? The mirror speaks c'est ça, non? To you. Amen. Il vous parle pour dire que non, ici là. To say that ici là, il y a un peu ici, il faut enlever, enlève non? Il faut bien faire ici non? Vous écoutez well la voix du miroir. You listen c'est ça non? To the voice of the mirror. Mais quand vous prenez le miroir de Dieu, but now when you qui est la Bible, God, qui est la parole the Bible, de Dieu, the word of God? Hein? Il dit, et pour que et tu sois, le fruit de l'esprit là, c'est la joie, la paix. Et tout ça, tu regardes dedans, tu regardes, tu dis tu ne crois pas. Regardez le miroir, tu crois à ton miroir pour arranger ton visage. Mais le miroir de Dieu, pour arranger ton cœur là, tu ne veux pas. Tu ne trouves pas que tu es bête. Regardez, tu regardes, regardez ton mari. Tu dis que ton mari t'a offensé. Le matin là, quand tu ouvres la Bible, le miroir de Dieu, tu montres le mal par le bien. C'est ça, non? Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère et ne donne pas accès au diable. Le miroir est clair dessus. Et puis tu t'énerves, tu jettes là-bas. Madame, monsieur, madame, monsieur, quand tu te lèves le matin, quand tu te peignes,
and you et que tu es mal peigné là. Et que le miroir te dit non, que tu es mal peigné là. Est-ce que tu te plains du miroir? Did not well comb your hair? Did tu obéis au miroir. Tu te peins bien. Tu mets bien ton crayon. Well, mais vous vous foutez de la parole. Du miroir de Dieu. Et vous pensez que Dieu va vous bénir. Vous êtes des plaisantins. C'est le miroir de Dieu et vous pensez que Dieu vous bénisse. Quand Dieu dit le mur, c'est comme ça. Mirror, quand tu te lèves le matin, là, quand tu ouvres, là, tu remontes pour le mieux pas. Parce que ton âme, tout ça, là, tu es fâché. Tu remontes le mal par le bien. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. C'est le miroir. So the mirror of God will tell you, dans ton cœur, il te dit tout. Tu t'effaces. Aujourd'hui même, je ne vais pas à l'église. Moi, où today, I don't go to the church. Tu ne vas pas où? On s'en fout. Where we not go? We don't care. Est-ce que c'est moi qui vais avoir AVC? Ou bien c'est moi qui vais être malade? Non, c'est pas moi, c'est toi. Regardez, moi j'ai le Saint-Esprit, j'ai la paix, j'ai la joie, la tempérance, tout. Tu dis que non, tu ne viens pas à l'église. Et parce que dans ton mari, mon mari, ce que mon mari m'a fait là, ça c'est des choses qu'on ne peut pas. Le miroir de Dieu est là. Surmonte le mal par le bien. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Tu fermes. Mais pourtant, quand tu prends ton miroir là, ton petit miroir là, même là, tu t'es maquillé là. Tu montes dans le taxi avec le miroir. Because tu es ici dans le baka avec le miroir. You, mais le miroir de Dieu là, le miroir de Dieu, la Bible là, tu mets ça au fond de ton sac. You go et tu es servant de Dieu. Tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Put in the deep of your handbag, you are the joker. Vous comprenez ce que j'ai dit? Do you understand? Regardez combien de temps vous durez devant le miroir. How long you delay before your mirror? Et vous obéissez au miroir. And you obey to that mirror. Mais le miroir de Dieu là, tu ouvres ça combien de fois? But pour t'arranger. How often do you open the mirror? Pour arranger l'état de ton cœur. To mind the state of your heart. Mais regardez votre miroir gros comme ça. But look at your physical mirror is so big. Vous payez le miroir 50 000, 30 000, 100 000 avec les pompons. Mais on vous demande de payer une Bible de 10 000, pardon, une Bible de 5 000, vous trouvez que c'est cher. Sometimes in their room you can find a big mirror. Un miroir, je vois, t'envoie en enfer. 100,000 sifa, but et le miroir de Dieu, tu t'envoies au ciel. And what about the mirror of God who is supposed to send you calme. In the heaven? I see you quiet tonight. Vous comprenez? Do you understand? Le miroir de Dieu. The mirror of God. Le miroir de Dieu. The mirror of God. Est-ce que vous vous mirez avant de sortir de la maison? Do you wash yourself in that mirror before leaving your home? Alléluia. Amen. Verset 17. Verse 7. Or, si nous sommes enfants de Dieu, now, nous sommes héritiers de Dieu, et héritiers de Christ. And gen heart of Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. That we may glorify with him. On revient à quel verset? We come back to which verse? On revient à quel verset? Romains 5, 1 à 5. Il dit toutefois, si nous souffrons avec lui. Even we suffer. La profondeur appelle la profondeur. The depth. Il dit, pour être héritier là, pour avoir ce que Dieu t'a donné là. Romains 5, verset 1 à 5. Affliction, ainsi de suite. Romans 5, 1, 2, 5. La profondeur appelle la profondeur. The depth called the depth. Vous comprenez? Do you understand? Et vous venez à l'église aujourd'hui et on te regarde. Non, tu vas voyager et je vois ton mariage. C'est fini. Dieu t'a béni. C'est des conneries. You know you will travel. I see et dit, nous sommes héritiers par condition. À condition que nous souffrons avec lui. Quelle est notre souffrance? Quelle est la souffrance dont Dieu parle? Romains chapitre 5, 1 à 5. What is the condition God is talking about? Romans 5, 1 to 5. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Vous voyez? Vous voyez? Do you see? Dès que vous venez à l'église, quand il y a une petite épreuve, c'est moi qui vous insultez. So when you come to the church and you face a little trial, I'm the one. Oh, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. So I'm not the one who has written the Bible. Celui qui vous a envoyé ici là, who il dit here, pour que tu sois béni, voici la voie. Et moi je vous explique. Say that
Et c'est moi que vous insultez. Bless you, this is the way, and I just explain you, and I'm the one you. Et c'est moi qui suis mort à la croix. Am I the one? Dis-moi moi à la croix. I did not die at the cross. Il dit héritier, y a pas de problème. Nous sommes héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Ce qui est pour Dieu, c'est pour nous. Pour Dieu, c'est pour nous. Il y a pas de problème. Même si nous souffrons avec lui, on souffre comment? Romains 5. What is for God is for her. But he said, if we suffer with him, we suffer ours. Affliction, 5, 1, persévérance, 5. Ainsi de suite. La victoire dans l'épreuve. Affliction, tribulation, victory in the trial. Vous comprenez? Do you understand? Arrêtez de donner les fausses prophéties aux gens. Stop. Non, dès matin, tu as voyagé, je vois ton mariage, je vois ton voyage, je vois ton temps, ton temps. Telling them, tomorrow you will travel, I see your marriage, I see your elle est où? Blessing. Hein? Vous comprenez? Do you understand? Vous comprenez? Vous voyez, non? Donc vous êtes là, vous êtes à l'église. Ce que Dieu dit de faire, vous ne faites pas. So you are there, et c'est les hommes de Dieu vous insultez. Les vrais, je parle des vrais. Et on vous donne huile, et bien vous partez, vous mettez huile sur vous, ou bien on vous donne l'eau, ça va vous bénir. C'est qu'il y a l'huile, il y a l'eau dedans. You have been given oil, les gens vous blaguent, les gens vous blaguent. Et maintenant, vous êtes confondus, vous êtes confus, vous êtes confus, et vous ne croyez plus à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ce ne sont pas des pasteurs de Christ, ce ne sont pas les pasteurs de Jésus, ce ne sont pas les pasteurs de Dieu, c'est les agents de Satan. La Bible dit, dit chapitre 1er, verset 16, ils font office de servir Dieu, mais ils le renient par les œuvres qui sont abominables. Bible says in Titus 22 that they lisez. Make us serving God by the, verset 16. Deny him by the word. Ils font office de servir Dieu. They make us quand tu les vois comme ça là, tu as pensé qu'ils sont de Dieu. Mais le Seigneur dit, ils ne sont pas de Dieu. They are not of God, que c'est les agents du diable. By the messenger of the devil. Voici le chemin. This is the way. Voici le chemin. This is the way. Le chemin pour aller à la gloire. The way to go to the glory. Le chemin pour que Dieu te donne son héritage. The way for God to give you his legacy. Vous comprenez ce que j'ai dit? Do you understand? C'est le chemin. It is the way. C'est le chemin là qui est la vérité. It's the way that is the truth. Nous sommes héritiers de Christ. We are joined of Christ. Je possède. I possess. I possess. You hear people saying I possess. C'est la connerie. No, it is nonsense. Il y a un chemin à suivre. But there is a way to follow. Tu possèdes first. Quoi? Tu possèdes et puis ta main est vide. What you possess and your hand are empty? Romains 8, 26, 27. Romans 8, 26, 27. Romains 8, 26, 27. De même, aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Likewise, the Spirit help us in our weakness. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prayers. But we do not know what is sweet to ask in our prayers. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. But the Spirit himself make intercession by the groan. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit. And he who research the heart know the thought of the Spirit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. But according to God, that make intercession for the saints. Le Saint-Esprit en toi. The Holy Spirit is intercède in you, pour toi. Intercede et for t'aide you, dans tes faiblesses. And help you in bon, your aujourd'hui weaknesses. Là, je vais expliquer ça propre. I'm going to explain you. Vous properly. Mettez votre tête partout. On a qu'à prier pour vous. Et regardez. You put your vraiment. Head under everybody. C'est vrai que j'ai dit je ne reçois plus. On dit non. L'homme de Dieu dit je ne reçois plus. Ça c'est l'orgueil tout ça. Il faut venir recevoir ma place. You hear people saying no. The man of God say we know. La Bible dit. The pride. The regardez, Bible says. C'est pas moi. C'est pas moi qui écrit. Il dit de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesse. Likewise, also the Spirit help us in our weakness. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. We know how it's sweet to ask in our prayers. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. But the Spirit himself make by the groaning. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit. You research the heart, know. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Regardez, quand tu as le Saint-Esprit là, Dieu même prie pour toi. When you par son Esprit, en toi il prie pour toi. Praise parce qu'il y a des choses là. Il y a des choses. Parce que le problème c'est quoi? 99,99% des chrétiens, ils vivent la vie de l'Église par leur âme et par leur corps. Or, la vie chrétienne ne se vit pas par notre âme et par notre corps. Parce que la Bible même dit que les choses de la chair ne peuvent même pas être soumises aux choses de l'Esprit. Vous comprenez? Donc, les choses de l'âme et puis de notre corps, là, il ne peut pas se soumettre. Vous comprenez? Donc, Dieu dit, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, là, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, et au lieu que la chair va te demander des choses qui vont te
envoyer en enfer, ou bien qui vont faire que tu seras malade. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit lui-même, quand il est en toi, il prie pour toi, il intercède. C'est-à-dire qu'il dit à Dieu, voilà ce que tu dois faire pour lui. Quand tu as le Saint-Esprit. Normalement, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, on ne prie pour lui. We don't pray for him anymore. Au contraire, c'est lui qui doit prier maintenant pour les autres. Pour ceux qui ne sont pas convertis. Il doit prier pour eux. Mais vous dites que vous êtes venu le Saint-Esprit. Tous les jours, on n'a qu'à vous imposer les pieds, on n'a qu'à vous imposer les mains. Et tous les jours, quand on vous touche là, c'est vous qui tombez, vous prophétisez. Mais tous les jours, on doit prier pour vous. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ a franchie. Normalement, si c'est que j'enseigne, si les chrétiens ils acceptent ça, vous allez voir que en un rien de temps, toute la Côte d'Ivoire sera gagnée à Christ. Pourquoi? Parce que moi je suis gagné à Christ. Moi je ne prie plus pour moi. Je prie pour mon frère qui n'est pas gagné à Christ. En ce moment, parce que quand Dieu rentre en lui là, c'est un réseau. Lui aussi il prie. Mais regardez combien de fois les pasteurs sont dans les églises et tous les jours sont en train de prier pour des soi-disant fidèles. Oh, ils n'ont plus besoin. Le Saint-Esprit en eux, le Saint-Esprit prie pour eux. Now the pastor, maintenant, ils doivent prier maintenant pour ceux qui ne sont pas convertis. For themselves. They have to pray now for those who are not converted yet. Hey, Madame Dago, tu as vu ma fille? Et il y a un des trois. Hey, pasteur, il faut prier un peu pour moi. C'est aujourd'hui là, j'ai fait un rêve. Converti pendant 50 ans. Tu as 50 ans de venir à l'église. The people who are converted for 15 years. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Pastor, quand j'ai dit que je ne reçois plus les gens bavardés, tout cela, l'apôtre Paul dit, ça m'est égal si je suis par un tribunal humain. Le seul qui me juge, c'est le Seigneur. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, non seulement, il est héritier de Dieu, et héritier de Christ. Et quand il dort, il ne sait même pas ce qu'il va demander à Dieu. Mais le Saint-Esprit en lui, il connaît ses besoins. Il prie pour lui. Mais tu as déjà vu Dieu, tu as fait quoi avec un ange? Holy Spirit make intercession for him. So have you already seen God? What are you doing with the angels? Tu dors, hein? Allez là, tu dors. Tiens. Puis tu es jeune. Ouais. Et quand toi qui t'es ici là, tu auras problème. Parce que tu vas partir là. Tu es pour manger seulement. Tu as mangé avant de venir? Heureusement. Vous comprenez? Regardez, moi, tu sais, par moment, look at me, je suis là, I'm there. Je prie le Seigneur, je dis, hey, Seigneur. Lord, say, oh, Lord, Dieu merci que maintenant, là, nos prédications sont publiées dans le monde entier. Our preaching are displayed et le mercredi passé, on a 45 000 personnes touchées. Et il y en a 21 000 qui ont lu la vidéo. Vous allez voir, on a 22 000 maintenant, voilà. Vous allez voir que d'ici 6 mois, là, vous allez voir que les chrétiens vont être autonomes. Parce que le but de Jésus, là, c'est que les chrétiens soient autonomes. Tous les chrétiens soient autonomes. Maintenant, la Bible dit, quand, par exemple, vous êtes autonomes, mais quand c'est nous, on vient, la Bible déclare que c'est pour l'édification. Quand on vient là, les petites questions que vous vous posez, Dieu rentre en nous et puis on vous presse. Et puis maintenant, c'est comme on fait des recyclages. Les hommes de Dieu sont là pour faire des recyclages. Et non pas, les hommes de Dieu ne sont pas là pour que les fidèles soient dépendre des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont là pour faire le recycling, mais ils ne sont pas là pour les believers to depend on them. Non. C'est pour ça que j'ai pris la résolution de ne plus recevoir. Parce que je ne veux pas que quelqu'un dépende de moi. Si tu dépends de moi, et le jour je ne suis pas là. I commit myself to stop reception. Mais si tu dépends du Saint-Esprit, ta vie est gagnée. But if you depend on the Holy Spirit, your life is pain. Moi, l'évangile vrai que je prêche là, je prêche l'évangile pour que vous soyez autonome. No, I preach the true gospel for you to be independent. Regardez, aujourd'hui, vous savez que quand tu as créé le Saint-Esprit, normalement, il ne doit pas tomber malade. Mais toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit, ma maladie, regardez des langages comme ça de ta bouche. Et la Bible déclare que quand le Saint-Esprit, on parle le langage de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, c'est à quel moment il a dit que ma maladie. The language of God. Et quand on parle, non, il est trop orgueilleux. Comment il peut dire des trucs comme ça? Donc, je n'ai qu'à dire, la Bible dit que faites attention à tout ce qui sort de votre bouche. Vous avez mangé le fruit. Mais donc, moi, je n'ai qu'à me maudire quoi. Vous savez, Dieu dit quelque chose. You know, I want to tell you les passages agents du diable, là, ceux qui parlent négatif. Quand tu dis que
que Dieu dit qu'on doit faire comme ça, non, il est orgueilleux. Et il y a des gens même qui vont plus loin en disant que non, quand tu parles à Satan, vous faites attention. C'est un ennemi vaincu. Satan is the defeated enemy. C'est un ennemi vaincu. He's a defeated enemy. Moi, par là, ça, quand moi j'écris Satan là, j'écris petit comme un élève de CPE qui connaît pas papier. When I write Satan, I write it puis, like this. Et puis, en, je mets en, entre en parenthèse, people are primary, en parenthèse arial, imprimerie. Primary ennemi one, vaincu. Defeated ennemi là, j'écris petit, mais vaincu là. Oh. Enemy, I write it so pour dire qu'il est vaincu toujours. Satan n'est rien. Overcome. C'est un fait divin, on n'explique pas. I write it at a big character. Vous devez vivre dans l'œuvre achevée de Dieu. You must live le Seigneur dit dans sa parole, il dit ceux qui sont en Christ se reposent des œuvres comme Christ se repose aujourd'hui. C'est écrit. Christ, et vous allez me poser c'est quel verset. Cherchez. Ça te permettra de faire aussi des études. Which verse mais je vais t'orienter un peu. Please. Ça va être dans les Épîtres. I will guide you a little bit. Parce que maintenant là, maintenant faut plus donner parce qu'il y a des gens tous les jours on doit les donner à manger. Il faut faire des recherches. Les chrétiens n'aiment pas faire des recherches. Non, les chrétiens n'aiment pas faire des recherches. Ils n'aiment pas. Tous les jours on a qu'à préparer pour les donner. Vous avez 30 ans de venir à l'église. Tous les jours on doit préparer pour vous donner. Regardez même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Si votre enfant est né aujourd'hui, si 3 mois après, ou bien 6 mois après, il ne marche pas, vous allez vous plaindre. C'est ça non? Si un an après, il n'arrive même pas lui-même à faire ses besoins, vous allez plaindre non? Mais pourquoi vous êtes chrétien? Et tous les jours on doit s'occuper de vous. Vous avez 2 ans, 3 ans, vous acceptez ça. Mais vos enfants, vous ne voulez pas accepter. But why are you Christian for 2-3 years and you cannot do it? Quand vos enfants ils ont 1 an, and want to be accepted 2 ans, tu ne marches pas? Tu ne marches pas? When you have your baby for 1 year, 2 years, you cannot walk. Tu ne marches pas? You cannot vous work, plaignez? You complain. Quand ils ont 5 ans, when they are 5 ils ne parlent pas bien, they cannot speak vous well, plaignez? You complain. Quand ils ont 6 ans, when they are 6 years old, ils ne sont pas bien, they are not vous well, plaignez? You complain. Mais vous, but you, vous êtes chrétien. You are Christian. Non de nouveau. Born again. De nouveau, born again. 3 ans, 3 years, vous êtes encore au lait. You are still vous trouvez que c'est normal. Milk eating and you find it normal. La vie naturelle the et la vie surnaturelle vont de pair. And a supernatural life goes vous acceptez, you accept. Vous obéissez you obey au miroir to the mirror des hommes, of men. Mais vous ne voulez pas obéir I don't want to obey au miroir de Dieu. To God's mirror. Vous acceptez. You accept. Vous ne voulez pas accepter you don't want to accept que votre enfant that your child, ayant 3 ans having soit encore au lait be still of et milk. L'enfant est encore le sein. Ça, vous ne pouvez pas accepter. This you cannot mais, accept. Mais vous êtes chrétien but you are et tous les jours, le pasteur n'a qu'à vous donner le sein à 10 ans. Pastor out to stray is priest to give you a 10-year-old. Je ne reçois pas. I don't receive. Je n'ai pas assez de sein pour donner à tout le monde. I don't have any breast to give to anybody. I don't have any breast to give to everybody. I don't have enough breast to give to everybody. Amen. Je suis l'un des plus grands prédicateurs de ce siècle. Amen. Et c'est quand il dit ça, on dit, et puis il y a une jeune fille qui dit non, il n'est même pas humble. Donc je n'ai qu'à dire que je suis un mauvais prédicateur. Je suis l'un des plus grands prédicateurs. One of the biggest preachers. La Bible dit ce que tu dis, c'est ce qui te devient. But I was saying what you say. Donc je n'ai qu'à dire que je suis un mauvais prédicateur. What si toi tu dis diable, parle comme le diable. Moi je parle comme Jésus. I speak like Jesus, amen. Je parle comme Jésus, veut que je parle. Il dit ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Say what you say. Depuis j'ai dit je suis grand prédicateur. Tu vois pas que je suis grand prédicateur? Since I say I'm hein? The big preacher. Je suis grand prédicateur. Regardez, vous acceptez. Look at you accept. Vous n'acceptez pas. You don't accept. Que votre enfant a 10 ans. That your child at 10 years old. On nettoie encore ses fesses. We still clean. Mais vous avez 10 ans. But you tous les jours le pasteur doit nettoyer. You want that the pastor clean your buttocks. Non, non. Et puis il est vulgaire. C'est toi qui es vulgaire. Parce que vous les hommes, il faut qu'on vous choque pour que vous changez. Because you the men, you have to be shocked to change your way of thinking, of your way of doing things. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 27. 27. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'esprit. Heart, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En God, faveur. Le Saint-Esprit ne va jamais prier contre toi. Intercession for the saints. The Holy Spirit will never pray vous comprenez? Against you. Vous comprenez? Quand tu as le Saint-Esprit, il est toujours de ton côté. When you have the Holy et c'est là qu'il dit, si Dieu est avec moi, qui perd contre moi?
That's why si Dieu est avec moi. Parce qu'il prie pour nous. Quand tu dors, tu ronfles comme caterpillar là. Lui, il est là. S'il y a un démon là, lui combat. C'est pas ça. Like a caterpillar, c'est pas ça. C'est vrai. C'est vrai. La Bible dit. La Bible dit. Faites attention. Parce que Satan rôde autour de vous. Mais la même Bible dit, l'âme de l'Éternel campe autour de ce qu'il craint. Qui sont ceux qui craignent Dieu? C'est ce que le Saint-Esprit en eux. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Dieu n'a qu'à aller faire quoi chez vous? Et maintenant, ils vont mettre des écriteaux. Attention sur les maisons. Attention, zone du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans des choses faites de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans ta maison, mais il habite en toi. Et toi, attention, donne du Satan réalise, toi, tu es un plaisantin. Il appelle tout le monde et puis les sorciers font réunion au salon. Warning, area of the Holy Spirit. Font réunion. Les souris montent ici, quoi. And the gat on your sitting room, even the mouth move on your room. Les souris des psychologies qui mangent les poussins là. Psychologies square, mice. Souris des psychologies, il faut quitter dans ça. Hein. Ils sont costauds et même poussins. They are so ils font réunion. Tu es vaincu, tu es vaincu. Pourtant, tu as mis zone du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit en toi, il intercède pour toi. La Bible déclare que tout est sanctifié pour celui qui est sanctifié. C'est pas ça? Même tes tabourets sont sanctifiés. Même tes tapettes sont sanctifiées. Tu as le Saint-Esprit et quelqu'un a pris tes tapettes, tu es affolé. You are the Holy Spirit. Somebody has just taken one of your thunder and you become so.